Eh bien, salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui sera le tutoriel d'une demande d'un youtubeur, enfin d'un abonné qui a été demandé il y a assez longtemps. Ça fait aussi un peu plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo, donc bah j'ai pas arrêté d'en faire, hein, donc là je recommence à en faire. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une queue que moi j'ai déjà construite. On vous montre un peu. C'est commencé. Donc en fait, il n'y a pas besoin de. En fait, vous faites ce que vous voulez, de l'articulation ou pas. Ça dépend ce que vous avez. Donc alors, après, pour la plateforme sur laquelle on va construire, ce sera du 4 x 10, avec des roues, bien sûr. Donc il y aura plusieurs morceaux de véhicules à construire. Donc on va déjà commencer par celui-là. Donc il vous faut une barre de 2, de 1 x 10. Ensuite, un 1 x 3 en pente que vous allez mettre à l'avant et un autre à l'envers que vous allez mettre juste derrière. Puis une plaque de 2, de 1 x 4 vert, lisse. La couleur, vous faites comme vous voulez, hein. Donc, ensuite, un autre 2 x 1 en pente et un 1 x 1 ici. Un 1 x 1 plat normal. Vous pouvez aussi très bien rajouter quelque chose. Moi, j'ai un petit quelque chose sur le côté. Puis une pièce, cette pièce-là, ici. Puis en fait, je l'ai mis à l'envers. Ça, voilà. Et voilà. Donc, on va l'accrocher à la voiture. Ici. Voilà. On va aussi mettre la queue. Voilà. Appuie ça, je l'ai mis à l'envers. Ça, c'est bien comme ça va ici. Puis ça va là. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un 2 x 3. Enfin, 2 x 3. Moi, je n'ai plus en vert. Du coup, j'ai pris en pente. Vous pouvez faire pareil parce que de toute façon, ça, on ne le verra pas. C'est juste un support. Et un autre truc, 2 x 3, je sais pas comment ça peut s'appeler. Donc voilà, on doit les assembler ensemble. Et ça donne ça. Ça, c'est un autre morceau de véhicule. Donc on va prendre une brique. Enfin, moi, j'ai pris deux petits carrés de 2 x 2. Donc vous prenez une brique de 2 x 8. Enfin, 2 x 4. Vous allez ensuite remettre une autre. Un 2 x 2 par-dessus au milieu, puis un 2 x 1 sur le côté, et un 2 x 2 avec une pente à l'envers, une montée du coup, ça fera de l'autre côté. Un 2 x 3 en pente ici, et un 2 x 2 en pente de ce côté. Donc après, là, je vais vous montrer où il faut le mettre. Donc cette partie-là, ce sera l'avant. Donc ici. Faut bien l'accrocher à la limite. Et puis donc ça du coup, on va le mettre de ce sens-là. Ici. Voilà. Et bien sûr, le personnage sera ici. Et voilà. Donc après, j'avais un personnage charpent pas très loin. Il l'a. Et voilà, donc ce véhicule de serpent est terminé. Je vous montre un peu parce qu'avec la queue, ça agrandit le tout. Donc ça, c'était un abonné qui m'avait demandé il y a assez longtemps. J'avais d'autres vidéos de prévues. J'en avais pas mal. Là, j'ai fini tout ce qui est sur la liste. Donc voilà, j'ai fait ça. Il y a cette ville que je dois vous présenter juste à peut-être la prochaine vidéo. Et de base, j'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais vous présenter un volcan. En fait, le volcan, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais vous montrer. Il est là. Ça, c'est le volcan un volcan. J'ai voulu faire un parce que Garmadon en a un dans le film Lego Ninjago Movie. Du coup, je l'ai dit que j'allais vous le présenter. Je vous le ferai quand même vite fait. Voilà.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de la partager si ça vous aura plu. Vous pouvez très bien demander d'autres tutoriels de boîtes ou de création Lego Ninjago. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.